Bonjour, bonsoir, chers tous, chers toutes. Je vous remercie d'être attentifs à cette chaîne. Paix, bénédiction chez vous, dans vos familles, aux êtres qui vous sont chers. Je voudrais donc, à travers cette vidéo, relancer toutes les personnes qui sont intéressées par le séminaire La santé illimitée et la longévité, que, bien sûr, le séminaire est prévu pour le 7 prochain. Et ce séminaire, la classe de ce séminaire sera également ouverte pour une période de 3 mois afin de profiter largement des connaissances contenues dans les audios que vous allez avoir. Parce qu'il s'agira d'avoir, je crois, près d'une vingtaine d'audios, si possible, et de pouvoir les étudier, ce qui en fait nécessite donc du temps. Mais une chose est sûre, ces audios resteront avec vous. Vous les réécouterez même après et ces audios vous aideront. Lorsque, par exemple, je prends un cours qui est fait sur l'ankh, la croix de vie égyptienne, et qui est contenu justement dans la santé illimitée, puisqu'on ne peut pas parler de santé illimitée sans parler de l'ankh, la croix de vie égyptienne, et de son pouvoir extraordinaire, et dont nous en avons parlé dans la santé illimitée. Vous comprenez très bien que c'est indispensable, c'est absolu. Que signifie cette croix ankh? Quel est son rôle dans la santé illimitée et la longévité? Je l'ai expliqué donc dans le cours que vous allez avoir. Ce qui veut dire que lorsque nous parlons de santé illimitée, il s'agit d'un cours vraiment complet qui touche toutes les dimensions. Un autre exemple, c'est que on parle souvent des 7 perversions du mental. Par exemple, on dit il y a l'ignorance, la colère, oui, la colère, la gourmandise, l'orgueil, la vanité, l'attachement, on cite les perversions du mental. D'accord. Mais est-ce que vous savez que les perversions du mental sont justement une maladie de vos capacités spirituelles? On peut dire que vos capacités spirituelles sont malades. Mais justement, le cours La santé illimitée n'est pas un cours destiné uniquement à votre corps physique. Il est destiné également à soigner votre âme, à soigner votre mental pour vous libérer de ces perversions-là, puisque ces perversions sont justement des maladies. Donc comprenez que le séminaire sur la santé illimitée et la longévité est un séminaire plus grand que le titre que vous remarquerez, parce que dans le contenu, il est fait mention de plusieurs principes et de pratiques qui vous aideront à retrouver dynamiquement l'équilibre intérieur et extérieur. La finalité de tout ça? Oui, c'est une très belle question. La finalité de tout ça, c'est le bien-être, c'est le bonheur, c'est la plénitude, la béatitude intérieure. Et c'est là que je m'en vais vous poser simplement la question. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? C'est ça, justement. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Parce que pour moi, le bonheur, c'est justement la santé. Mais pas la santé telle que vous le pensez, non. Je veux dire, le bonheur, c'est le bien-être intérieur, c'est l'accomplissement intérieur, c'est la béatitude, c'est la joie d'être vie, tout simplement, et de vivre cette joie de la vie, car la vie contient en elle-même une infinité de vie dont les palpitations sont en mesure de générer en vous de la béatitude, de l'accomplissement, du bonheur. On peut être heureux sans avoir des choses matérielles. Les choses extérieures ne nous donnent pas le bonheur, ça nous procure du plaisir. Mais le bonheur provient uniquement de la vie. Lorsque nous libérons la vie, que la vie nous nourrit de sa vieilleté, excusez le mot, de son état de vie, de sa vieilleté, lorsque la vie nous nourrit de son vivant, la vie qui contient une infinité de sa propre réalité nous nourrit de façon illimitée et infinie. Nous palpitons de l'intérieur comme un océan de vibrations. C'est cela le bonheur. Et ce bonheur est immatériel et il génère le contentement, la joie, le plaisir, la richesse, la prospérité, qui également doit être considéré comme la santé, puisque la pauvreté est une maladie. Vous voyez donc que le séminaire sur la santé illimitée est un séminaire caillou, je vais le dire comme ça, un séminaire très important parce qu'il vous permettra justement de vous rééquilibrer à tous les niveaux.
Les personnes qui ont suivi la formation sur la vérité du sang, eh bien, considérer que le séminaire sur la santé illimitée est vraiment de même puissance que la vérité du sang. Pour ne pas dire peut-être encore un peu plus. Parce que vous allez trouver des éléments que je crois que si vous ne savez pas faire, vous mettrez même 10 ans à vraiment les assimiler. Mais quand vous pouvez mettre tout simplement une seconde à les assimiler, et si vous les comprenez, votre vie va changer complètement. Est-ce que vous savez que les rapports que vous avez les uns avec les autres font partie de la santé vibratoire? Parce que c'est l'énergie que vous générez qui fait que vous vous trouvez dans des situations de blocage, que vous vous trouvez en conflit avec les gens, parce que vous n'êtes pas en bonne santé. Vous n'êtes pas vibratoirement en bonne santé. Vous n'êtes pas fréquentiellement, quand vous générez des fréquences énergétiques, vous n'êtes pas fréquentiellement en bonne santé. Vous voyez jusqu'où la santé illimitée va? Parce que ça va justement dans le traitement que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes, parce que c'est toujours la santé, dans le traitement que nous avons les uns avec les autres, et dans le traitement que nous avons avec les problèmes. Tout cela, c'est la santé, puisque la santé va appeler un autre élément de l'Égypte antique, le Ged. Parce que lorsqu'on va écrire le mot santé en égyptien antique, on trouvera la croix de vie égyptienne, on trouvera le Ged, on trouvera d'autres éléments qui vous permettront de voir que le mot santé projeté dans l'Égypte antique tient compte d'un certain nombre de symboles dont les symboliques nous permettent déjà de nous sentir bien si nous les non seulement les conceptualisons, mais vivons leur spiritualité. Vous allez voir comment est né l'effet placebo. Parce que vous allez réaliser que vous pouvez appliquer l'effet placebo à tous les niveaux. Parce qu'en fait, l'esprit est si puissant qu'il peut tout guérir et vous procurer le bien-être intérieur, la béatitude, le bonheur. Vous comprenez donc que votre dimension limitée de la santé ne vous permet pas d'apprécier la thématique que nous vous proposons, mais en vous l'expliquant certainement, vous commencez à ouvrir les yeux et à mieux gérer l'information. Pour participer à ce séminaire, pour les personnes qui sont déjà en séminaire avec nous, vous savez comment le faire. Vous allez simplement contacter le numéro 00 228 99 99. Par WhatsApp, c'est un WhatsApp que vous allez contacter, plus 228 99 99 93 93. Le numéro est en bas. Et il y a également un nom qui est en bas, un nom prénom. Vous faites donc, dès que vous aurez les informations, vous ferez donc un monogramme ou un RIA. Si vous pouvez le faire, vous ferez ces deux-là. Pas de Western Union, parce que justement, Western Union pose quelques petits problèmes. Donc, on va utiliser RIA et Monogram. Vous allez donc vous inscrire à travers ces deux moyens de transfert et nous vous mettrons dans un groupe sur Telegram et vous allez rencontrer beaucoup d'autres personnes qui sont déjà inscrites et nous allons passer un bon moment de santé illimitée et de longévité ensemble. À la fin de notre formation, vous me direz, je dis bien, vous me demanderez ou vous me direz si en fait, vous pouvez concevoir la santé autrement que ce que la science hermétique a déjà eu à faire et que les médecins, soi-disant médecins, ont complètement perverti sans expliquer, disons, le symbolisme du caducée. Que vous allez comprendre justement. Quand on met ça devant les pharmacies, vous les regardez seulement, mais vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Vous ne comprenez pas la puissance symbolique de ça. D'où ça vient? Ça vient de l'Égypte antique. Et quel est son rapport avec la santé en nous? Quelle est l'énergie que ça représente en nous? Vous allez découvrir tout ça avec le séminaire sur la santé illimitée. Donc, si vous vous inscrivez, on vous met dans le groupe et nous allons suivre ce séminaire pendant 3 mois en attendant d'autres séminaires qui viendront par la suite. Et commencer un séminaire n'empêche pas que d'autres séminaires soient ouverts puisque vous devez apprendre à être ouvert sur plusieurs champs d'action à la fois. Les connaissances n'étant pas les mêmes, vous pouvez apprendre sur plusieurs séminaires simultanément. Tout dépend de ce que vous allez faire
avec toutes les connaissances que vous voulez. Et vous n'êtes pas obligé de suivre tous les séminaires, mais identifiez les séminaires fondamentaux qui apportent vraiment dans votre vie, comme par exemple la vérité du sang et le séminaire sur la santé illimitée. Les personnes qui n'ont pas encore pu s'inscrire à la vérité du sang, je vous exhorte à continuer à vous inscrire parce que si vous le faites, vous verrez le rapport direct entre le sang et la santé illimitée, rapport qu'on ne peut absolument pas négliger parce que ce rapport est fondamentalement vital à la santé illimitée. Je vous ai tout dit, je vous ai suffisamment exhorté à suivre ce séminaire sur la santé illimitée et la longévité. Nous vous espérons. Ce séminaire est prévu pour démarrer le 7 prochain, le 7 de ce mois, le 7 août, bien sûr. Inscrivez-vous rapidement pour que vous soyez dans les personnes qui vont être les premières personnes à suivre ce séminaire. Nous verrons si d'autres personnes promettent de s'inscrire à des jours donnés. On verra quelle faveur on pourrait leur accorder pour qu'ils ne soient pas trop en retard. Nous verrons à cela. Parce que ce qui nous intéresse, c'est que vous appreniez. Je lance également un appel à des parents, à des amis que vous avez dans la diaspora. Proposez-leur de venir suivre ce séminaire-là. Donnez-leur le lien. Dites-leur de suivre le séminaire. N'allez pas leur en parler. Inscrivez-les même si vous voulez. Faites-leur cadeau. S'il y a un cadeau à faire à quelqu'un, c'est justement un séminaire. Vous lui faites un cadeau et vous le laissez ensuite gérer sa vie comme vous pouvez le faire. À vos enfants, à vos familles. Ce serait vraiment impactant de pouvoir le faire. Je vous remercie et je suis fidèle à vous sur cette chaîne-là. Suivez très bien le numéro WhatsApp, c'est plus 228 99 99 93 93. Et je vous espère pour la prochaine fois. Une fois encore, merci à ceux qui suivent le séminaire sur la vérité du sang, un séminaire très important. J'espère que ça apporte également les éléments transformationnels. Ne vous en faites pas. Vous avez tout gagné avec ce séminaire, puisque il y aura un séminaire ultérieurement sur comment se connecter à ses ancêtres. Et c'est seulement ceux qui ont suivi le séminaire sur la vérité du sang qui peuvent suivre ce séminaire-là, parce que c'est des éléments de là-bas qui vont aider à approcher comment activer la conscience de nos ancêtres à l'intérieur de notre sang. Vous voyez, certains séminaires sont complètement liés et il vaut mieux les suivre autrement. Vous serez en déphasage. Que la bénédiction soit une fois encore à vous tous, chez vous, dans vos familles. Je vous aime du fond de mon cœur. Je vous retrouve donc la prochaine fois avec beaucoup d'amour, beaucoup de bénédictions. Et sachez que, quel que soit le moment, nous serons toujours là. Nous remercions également les donateurs qui acceptent de nous accompagner avec plaisir. Continuez à le faire et je vous dis bisous, à tout à l'heure.